Gérard Desbois et que Gérard, lui, n'est pas du tout marin. Gérard s'est vengé en mettant de l'autre côté de l'avion un sticker qui matérialise son appartenance au club de ce vieux avion de légende aussi et qui fait partie de ceux qui en possèdent un et avec lequel il aime bien voler le dimanche. En tout cas, oublions la marée, oublions les Piper Cub, voici le plus gros avion de transport du monde, l'Airbus A380, dans une présentation absolument sidérante. On amène lentement les quatre manettes de gaz sur Toga, take off, go around, on lâche les freins, on accélère, et la magie est lancée. And now coming from the right, the Airbus A380 for what is, as you know, one of the most beautiful air displays to be seen in this planet. Le géant qui murmure, the whispering giant. Des tas de choses sur l'Airbus 380. Vous rappelez que plus d'une centaine ont été déjà livrés, que 262 sont en commande et que actuellement il y a plus de 20 compagnies aériennes qui ont passé commande de cet avion extraordinaire qui peut transporter jusqu'à plus de 850 passagers. La plupart des compagnies l'utilisent en utilisant ses capacités de confort absolument stupéfiant. La plupart des compagnies l'utilisent actuellement en 500-550. Cet avion de masse au parc officiel, à cause de sa géométrie, de son architecture, en particulier de sa voilure et de son système de commande de vol, cet avion est l'avion le plus confortable à avoir jamais volé. C'est bien sûr un très très long courrier qui peut parcourir des étapes de 8500 km, pratiquement 15 000 km. Il croise au maximum un Mach 0 89% de la vitesse du son. C'est un avion surtout dont le pilotage est absolument délicieux. C'est un avion qui est piloté à travers un système de commande de vol électrique, fly-by-wire. Et donc, c'est pas un avion qu'on pilote, c'est un avion qu'on guide. C'est un avion, quand vous êtes dedans et que vous faites voler, vous avez cette étrange impression qu'il n'existe quasiment pas, malgré ses dimensions colossales, bien sûr, il a de l'inertie, mais il est gentil. C'est un avion aimable, c'est un avion qui se met au service de son pilote, c'est un avion, de ce point de vue-là, totalement stupéfiant. The Airbus A380 could be described by sheer numbers. Remember, over 100 of them have been delivered right now and 262 are ordered by 20 airlines. You can fly up to 850 passengers in one. And it cruises at Mach 0.89 and it can fly legs of up to 8,540 miles. This is the aircraft of all superlatives, but it's a thing of beauty, and when you're a pilot, when you fly it, you're really stunned by the user-friendliness of this machine. This is one of the friendlier aircraft you can find in the sky, if not the friendlier aircraft. You just guide it, you don't have to pilot it. It's just something you do. You get time, it's very gentle and it's very, very, very safe on the pilot's mind. Passage lent, un passage à 152, aux environs 300. Regardez au passage la danse des ailerons, regardez les porte-files des ailes, les extrémités des ailes, regardez les trois jeux d'ailerons par demi-voilure qui dansent et qui tiennent l'avion en équilibre parfait, et un petit peu à la manière des rémiges d'Almoiseau. Avec cet avion, on approche presque, presque la perfection de la nature. With the A380 flight control system, you're not very far from nature's perfection. Look at the wings of the bird flying and look at the way the feathers move. Look now at the A380 trailing edge and look at the
Prince of the Elements. Et voici la manœuvre de fin, la manœuvre signature au sommet de la colline. On pousse sur le manche, on fait une petite bosse entre 0,5 et 0,8G et on incline le navire. On le lance dans cette grande spirale descendante. On va aller en plus de transversale et on va aller en plus de transversale. This is the signature maneuver, signaling the end of the display, which is the over the hill, the top of the hill push up, where you push between 0.5 and 0.8 G's, and during this time you select gear down and you start selecting flaps down, and then you just bring it into a very gentle spiral, descending spiral, first to the right and then to the left. Look at this arrival on runway 25. This is strictly visual, just like they would do on a grass field. The aircraft is so tractable that you can really, really fly it, like if it were a small aircraft, when in fact it's nothing less than an ocean liner of the skies. Avec les compliments donc d'un équipage de marins, s'il y a des marins dans le public, sachez que l'un était à la 11F et l'autre à la 12F. Messieurs Christophe Caille et Thierry Bourges, et puis d'un ingénieur navigant qui lui est un pilote de l'Interclub et flair de l'Aide. GG des Bois, à l'atterrissage là-bas sur la transversale. C'était un moment de beauté. This was a moment of beauty brought to you by Airbus and by their crew. Two of them are former French Navy pilots who have been flying from aircraft carriers. Christophe Caille was flying Crusaders and Thierry Bourges was flying Super Étendards before becoming test pilots. And the third commander was the engineer in charge of the A380 program at Airbus. GG Desbois, Gérard Desbois, is very proud to present himself as a Piper Cup pilot because he is an honored member of the Piper Club de France. He owns a Piper Cup and is very proud of it.